Seul dans la salle du trône, excédé. Garde, votre majesté, ne pas vous énerver. Les cerveaux s'agitent, les montres fondent. Patience, madame, monsieur. Votre heure viendra ou pas. Un peu de patience, madame, monsieur. Votre heure viendra ou pas. Une image fraîche. Thank you.
Au soir, l'image est encore fraîche. Fraîche de toutes les couleurs qu'elle a reçues, ingurgitée et sublimée. De toutes les formes qu'elle a conjuguées, de tous les glissements, de tous les ramollissements qu'elle a effectués. Sur des visages, des tableaux ou des monuments complaisants malgré eux. Au petit matin, elle est fraîchement sèche. Fraîchement pimpante, fraîchement avenante. Elle rit du regardeur qui l'a créée. Elle s'en est détachée subrepticement. Elle vit maintenant sa pleine existence d'image, non plus objet, mais sujet. Sujet de convoitise jamais consommée. Sujet d'interprétation toujours lacunaire. Sujet de reproduction souvent infidèle. Elle est une figure rebelle à elle-même. Un organisme frondeur qui chatouille la pesanteur. Voyager dans l'éternité et explorer les galaxies dans une bulle de savon. Une pensée qui est son contraire, une pensée perte d'équilibre, une pensée fugacité. Une pensée esthétique, pragmatique, pataphysique, une pensée hic, une pensée a posteriori. Une boule mille. Bulle, eternity bulle. Une pensée bulle, une pensée ni gouvernante ni gouvernée. Constellation transphérique avec Isabelle au bol, moi-même et Christophe qui va remixer des traitements électroniques qu'a fait pour le disque Didier Nitsch, ici présent. Avec Burry.